1949, la guerre est finie, mais les Français ont toujours faim. Lui, c'est Édouard Leclerc. Il décide de passer en direct avec les producteurs. Je vends aux consommateurs au prix de gros. Les prix chutent de 20%. Le mouvement Leclerc était né. 73, c'est le choc pétrolier. Leclerc contribue à faire plier la réglementation et libéralise le prix du carburant. Au début des années 80, la culture n'est pas accessible à tous. Alors Leclerc lui fait de la place dans ses rayons. C'est la crise. Le chômage est en hausse. Le pouvoir d'achat est attaqué. En 2006, pour aider les Français à gérer leur budget, Leclerc invente qui-est-le-moins-cher.com. Aujourd'hui, il faut rendre accessible une alimentation de qualité, permettre à chacun de défendre son pouvoir d'achat, prendre soin de la planète. Le mouvement Leclerc, ce sont 587 entrepreneurs indépendants qui, ensemble, ont décidé de faire avancer leur époque. Leclerc.